Bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Mélodie. Mélodie, votre date de naissance. Le 30/10/1972. 30/10/1972, vous êtes scorpionne. Oui. Et vous avez eu beaucoup de difficultés à se stabiliser sur le plan professionnel. Oui, c'est vrai. Parce que de toute façon, je vois quand même, il y a 3 ans en arrière, ça a été très difficile. Mm-hmm. Ça a été très très dur. Vous êtes de quelle région ? De Rixhonsart. Donc, ce que je peux vous dire, qu'est-ce que vous voulez savoir en fait ? Ben, j'aurais voulu savoir un peu plus sur le côté sentimental. Oui, mais ça s'appelle comment la personne ? Ça commence par un B, je dirais. Un B. Et vous avez sa date de naissance ? C'est le 9 février, mais il a 46 ans. Donc le 9 février, il est Verseau, il a une attitude un peu difficile avec vous. Il est très dur. Mmh. Hein. Un peu par moment. Bah, par moment, hein, et on dirait qu'il n'arrive pas à se stabiliser. Et peut-être que la personne n'était pas libre avant. Hein. Ça c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Hein. Moi, je ressens quand même un renouveau par rapport à cette personne. Mais je vois quand même une période très difficile par rapport à la vie sentimentale qui est très dure. On voit qu'il y a... Ah oui, on voit quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Et je pense que par rapport à sa vie personnelle, hein, parce qu'avant de vous connaître, il a connu quelqu'un d'autre, sa femme. Oui. Et ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile Ah non, elle n'a pas été facile. Elle s'appelait comment sa femme? Son initiale, si vous voulez. Comment elle s'appelle? Miranda, je crois. Oui, Miranda, mais c'est pas quelqu'un de facile, hein, donc je voyais quand même... C'est pas qu'elle est spéciale, elle est un peu centrée sur elle, je pense, et c'est pas un mariage voulu à la base. Hein, ça a été forcé. Moi, je vois ça a été forcé. Hein. Oui, voilà. Je regarde. Hein. Oui, merci. Je regarde, mais je vois quand même une situation... que peut-être ça prendra un peu de temps dans les 3 mois à 6 mois pour que la situation évolue hein, sur le plan affectif entre vous et lui. Hein. Parce que je voyais aussi une rupture actuellement, un peu d'éloignement. Il y en a, disons, parce qu'elle était partie à l'étranger, mais ici, il vient de revenir. Oui, je sais. Donc, quelle est la suite, je ne sais pas. Vous pouvez me dire stop. Vous me dites stop parce que je bats les tarots de Marseille. D'accord. Dites-moi stop. Alors, 4 chiffres de 1 à 22. 3. Attendez, 9, 3. 9. 18. Et 22. 16, 17, 18. Et 22. Il y a eu, de son côté, un problème financier. Je voyais un problème financier. Je vois un problème avec son ex. Ah, si. Oui. Ah, si. Je le vois en déplacement. Il bouge beaucoup, cet homme. Hein. Bah, là, il a bougé pour aller dans son village d'origine. Je vois beaucoup de déplacements. Je vois qu'il tient à vous. Oui. Je vois un nouveau départ qui est favorable par rapport à vous. J'ai l'impression que la situation ne va pas se débloquer entre vous et lui avant les 8 mois. Attendez, je regarde. Hein. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que dans 8 mois, 10 mois plutôt, 10 mois. 10 mois. Donc ça bouge. C'est quelque chose qui est positif. On ressent quelque chose de d'équilibré. D'équilibré. Ah bon, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a trois mois, ça a été pas équilibré du tout. Ça a été pas équilibré du tout, mais je sens qu'il y a un mois, il y a eu quelque chose, que ça allait mieux. Il y a eu une dispute ou quelque chose de mise au point. Par rapport à la situation, parce que j'ai l'impression non parce que j'ai l'impression parfois il n'exprime pas et il n'est pas attentionné vis-à-vis de vous. Hein. Oui. Vous êtes franche. Quelque chose ne lui va pas et il va l'exprimer. Il a dû avoir un problème de l'âge de 11 ans, ça a été très difficile. Hein.
sais qu'il y a une enfance très dure dans son pays. Non, ça va marcher entre vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, d'accord. Mélodie. Allez, au revoir. Il y a un espoir. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.